Shalom, chers frères et sœurs en Christ, bienvenue, que le nom de Dieu soit glorifié en ce jour, alors que nous commençons avec cette nouvelle envolée spirituelle qui est consacrée à la sentinelle de prière. Je suis le pasteur Jean-Colbert Kindenge et donc c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce jour afin qu'ensemble nous puissions avancer dans ce programme qui, je l'espère, est une source de bénédiction pour plusieurs parmi vous. Sentinelle de prière est dans cette émission qui est consacrée à la prière, à la méditation de la parole de Dieu, mais aussi à la louange. Sentinelle de prière est une émission qui émet tous les jours, c'est-à-dire du lundi au vendredi, à la même heure, sur nos plateformes envolées spirituelles. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien nous vous encourageons à le faire. Il suffit juste de taper sur la barre de recherche « Envolées spirituelles », que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun des programmes qui ici est présenté tous les jours. You are all welcome in the mighty name of Jesus Christ. May God bless you bountifully. We thank the Heavenly Father for giving us this opportunity to be alive today. And I do believe by the grace of God, by the end of this program, we are going to be blessed by Jesus Christ. Don't forget to subscribe, but also to share the link because someone somewhere is in need of this kind of program. Once more, you are welcome. In the mighty name of Jesus Christ, we are going to sing right now our team song, and I do believe you are going to be blessed. But before that, allow me to offer a word of prayer. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous avoir rassemblés. Merci d'être au contrôle de ce programme et de permettre par ta grâce qu'à la fin de celui-ci, tous nous puissions être richement bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Si vous n'avez pas encore liké le programme, allez, faites-le. Et puis maintenant, nous allons chanter notre chant-thème à Yane Douma, qui veut simplement dire que Jésus mérite de recevoir la gloire. Ooh, 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 ooh,
Alléluia. Ayane Douma, gloire à Dieu. Seigneur, que ce jour vienne. Que ce jour vienne, ce jour où nous aurons la joie de te célébrer, de chanter avec toi ce cantique nouveau. Ayane Douma. Je voudrais une fois de plus vous souhaiter la bienvenue alors que vous nous rejoignez dans ce programme Sentinelle de prière. Je voudrais avoir une pensée émue pour tout ce qui passe par les affres du deuil, les affres de la douleur, de la perte d'un être cher. Je sais combien c'est difficile. J'ai moi aussi perdu des êtres chers. Et je voudrais dire à tous ceux-là, tous ceux qui ont perdu un ami, un père, un frère, un grand-père, une grande mère, une sœur, une tante, une mère, que Dieu vous donne la force et qu'il soit le seul à vous consoler afin que, malgré la douleur, vous puissiez continuer à avancer avec lui. Cette semaine, nous sommes en train de parler d'un sujet intéressant, hein, bien sûr. Nous parlons de sept types, voilà, des sept types de chrétiens. Nous avons pu en dénombrer sept, peut-être qu'il y en a plus que cela. Et pendant cette semaine, nous parlons des sept lettres qui ont été émises aux sept églises d'Asie mineure. Ces sept lettres qui correspondent à sept attitudes, sept caractères des chrétiens de nos jours. Car oui, ces lettres restent encore d'actualité. And by the grace of God, we are studying this lesson in order to examine ourselves and to correct ourselves, because at times we have an empty life, but as a Christian, we must have a fruitful life. We must bear fruit in order to impact the whole world. But unfortunately, some of us are just empty. Some of us are just pretending to be Christian, but are not really. So that's why within this week, we are studying the seven type of Christian, not to blame anyone, I've said it, but we are studying the seven type of Christian in order to know ourselves and to repent and to correct ourselves through the Holy Spirit. Are you getting the point? So that's why within this week, we are studying this wonderful lesson. Depuis le début, nous avons vu les caractères de l'église d'Éphèse. Nous avons vu les caractères de l'église de Smyrne. Nous avons vu les caractères de l'église de Thyatire. Hier encore, nous étions en train de parler de cette église et le Seigneur nous a fait comprendre eh bien que nous avons beaucoup à apprendre. Parce que au-delà de l'église de Pergame, de Thyatire, l'église de Sardes, quant à elle, était le siège du diable. C'était le lieu où le diable se sentait le plus à l'aise. Je ne sais quelle est votre condition avec votre Créateur, mais je prie le Seigneur afin que vous puissiez être transformés à l'écoute de cette parole. Nous allons maintenant prendre un petit moment pour écouter une forme de révision à travers ces petites vidéos résumées que nous faisons tous les jours. D'ailleurs, je voudrais vous dire, si vous avez besoin d'avoir ces petits résumés, ces petites capsules chaque jour que vous pouvez partager sur votre profil WhatsApp, n'hésitez pas à m'écrire à travers le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et c'est avec plaisir que je vous enverrai à travers WhatsApp ces petites capsules qui peuvent sauver une âme autour de vous. Et bien maintenant, nous écoutons ces capsules en guise de révision et nous revenons juste après pour la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlerons de l'église de Philadelphie. Tu es peut-être blanc au dehors, mais je sais que tu es noir au dedans. Combien parmi nous vivons-nous une vie de double allégeance? Combien parmi nous sommes-nous à l'image de l'église de Pergame? Nous sommes tout bouillants à l'église. Nous chantons des cantiques à haute voix. Nous rendons la dîme. Nous rendons les offrandes. Nous prions avec force à l'église. Et pourtant, la nuit tombée, nous sommes tellement différents. Tu parais être
ce que tu n'es pas en réalité. Tu es peut-être blanc au dehors, mais je sais que tu es noir au dedans. Si c'est vrai qu'à l'église on marche à petits pas avec les mains croisées comme un saint d'une sainteté incomparable, il est vrai également que lorsqu'on est dans notre business, on devient féroce comme un lion. Les chrétiens de ce siècle sont-ils devenus bipolaires? Sont-ils devenus hypocrites? Lorsqu'on parle de corruption à la fonction publique, « Ah, don't mind, you have Christian among them. » Lorsqu'on parle de vol, il y a des chrétiens parmi. Et même lorsqu'on parle de pédophilie, comment comprendre que des actes de pédophilie soient dénoncés dans l'Église? Combien parmi nous vivons-nous une vie de double allégeance? Combien parmi nous sommes-nous à l'image de l'Église de Pergame? Nous sommes tout bouillants à l'Église. Nous chantons des cantiques à haute voix. Nous rendons la dîme. Nous rendons les offrandes. Nous prions avec force à l'Église. Et pourtant, la nuit tombée, nous sommes tellement différents. Ils vont te persécuter, crois-moi. Ils vont te calomnier. Tu passeras des moments de tribulation. Tu seras rejeté, mal compris. Mais je sais qu'au milieu de toi, il y a des juifs qui ne le sont pas. Ils se prétendent être chrétiens, ils prétendent être des enfants de Dieu, mais ils ne le sont pas, je sais. Ah, tu es ce chrétien qui veut que les choses soient faites selon il est écrit. Je connais. Je sais que tu as des faux amis en ton sein, Église de Smyrne. Je sais qu'il y a des sectes qui se forment au sein de toi, chère Église. Des hommes qui te diront que la Bible n'est pas la toute autorité de Dieu. Tu devras connaître des rejets. Tu devras connaître le diktat de ceux-là parce qu'ils sont puissants. Et ils essayeront de te faire tomber afin que tu ne puisses pas servir Dieu tel qu'il le veut. Je sais, mon ami Smyrne, je sais par quoi tu passes. Ils vont te persécuter, crois-moi. Ils vont te calomnier. Tu passeras des moments de tribulation. La synagogue de Satan a élu domicile dans le temple du Seigneur. Et il appartient aux hommes et aux femmes éclairés par le Saint-Esprit de se mettre debout et droit. Ceux-là qui devront souffrir pour que la vérité triomphe. Certains acteurs se disent étonnés du fait que dans la société, on les confonde à leur personnage parce qu'ils jouent tellement bien leur rôle qu'ils finissent par ne plus être dissociés du rôle qu'ils interprétaient. Oh, combien sommes-nous hypocrites aujourd'hui? Nous faisons semblant. On peut faire semblant devant les hommes, réalité, mais peut-on se cacher devant Dieu? La raison pour laquelle l'Église se meurt tous les jours. Et ici, quand je parle de l'Église, je parle de notre vie spirituelle de manière individuelle. Vous allez donc comprendre pourquoi notre vie spirituelle se meurt tous les jours. En réalité, quelqu'un disait « Je n'ai point connu de plus hypocrite que les acteurs, que les comédiens. » C'est ceux-là qui ont la capacité de porter des masques, de jouer des rôles à la perfection. D'ailleurs, certains acteurs se disent étonnés du fait que dans la société, on les confonde à leur personnage parce qu'ils jouent tellement bien leur rôle qu'ils finissent par ne plus être dissociés du rôle qu'ils interprétaient. Eh bien, l'hypocrisie, c'est cela. C'est le fait de jouer des rôles. C'est le fait de porter des masques. C'est le fait de déguiser son véritable caractère. Oh, combien sommes-nous hypocrites aujourd'hui? Nous faisons semblant. On peut faire semblant devant les hommes,
On peut passer pour être ce que l'on n'est pas en réalité, mais peut-on se cacher devant Dieu? Waouh! Ce sont là des paroles puissantes que nous venons d'écouter. Ces paroles sont un bref résumé de ce que nous sommes en train d'apprendre dans ce cadre depuis la semaine dernière. Oui, il y a des chrétiens qui devront être persécutés parce que, ayant décidé de se positionner pour la vérité et pour la justice. Oui, il y a des chrétiens qui ont décidé d'être double face. Ces chrétiens qui sont chrétiens en journée et qui deviennent politiciens la nuit. Ces chrétiens qui sont chrétiens en journée et qui deviennent marabouts la nuit. Ces chrétiens qui sont chrétiens en journée et deviennent des lions féroces la nuit. Oui, il y a ces chrétiens-là qui vont devoir subir les affres des hommes puissants à l'Église. Ceux-là qui voudront apporter une doctrine étrangère et voudront absolument l'imposer à l'Église. Oui, il y a des églises qui ne sont qu'un tombeau blanchi. Ces églises qui sont bien construites. J'allais dire qui sont des églises luxueuses, mais dans lesquelles il n'y a plus une once de foi, dans lesquelles il n'y a plus une once d'amour les uns pour les autres. En fait, beaucoup d'églises aujourd'hui sont devenues des clubs sociaux. Ce sont des endroits où l'on se rencontre pour échanger sur le débat d'il y a quelques jours. Ce sont des lieux où on se rencontre pour faire connaissance et pour papoter un peu. Les églises ont perdu leur sens véritable, leur objectif véritable. Et souvenez-vous, je vous ai dit, quand nous parlons d'église, nous parlons de toi, nous parlons de moi. Combien de fois par jour parlons-nous de Jésus-Christ? Combien de fois par jour parlons-nous du salut à ceux qui sont autour de nous? Nous avons beaucoup de temps pour parler de l'actualité. Nous avons beaucoup de temps pour parler du sport, du football, du handball, du basketball. Nous avons assez de temps pour faire quelques commérages, quelques racontages sur ce que l'autre a porté, sur ce que l'autre a fait ou pas. Combien de temps prenons-nous par jour pour parler de Jésus-Christ? Le tout, ce n'est pas d'être à l'église tous les jours. Le tout, c'est d'accomplir la mission qui nous a été confiée par Jésus-Christ. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et l'un des commandements de Jésus, c'est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Celui qui est donc confortablement assis sur son canapé finit par devenir obèse. Et l'obésité est une maladie. Si on est un chrétien obèse, ça veut donc dire que nous sommes un chrétien qui semble être ce qu'il n'est pas. Le Seigneur Jésus n'a jamais planté sa tente quelque part. Il a toujours été sur le chemin pour annoncer la parole de Dieu, pour dire aux hommes et aux femmes, « Répentez-vous. » Et quelqu'un a dit, j'aime cette formulation, la vie de Jésus-Christ, le caractère de Jésus-Christ était un reproche permanent avec tout ce qui était autour de lui. Parce que Jésus n'était pas un corrompu. Parce que Jésus n'était pas un meurtrier, il n'était pas un avare, un égoïste. Non, non, non. Jésus a parlé du royaume des cieux et il nous invite à faire pareil. Je veux croire que cette parole que le Seigneur t'envoie chaque jour ne tombe pas sur un terrain aride. Les 7 types de chrétiens. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, le verset 8. La Bible dit ceci. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne
Mais alors, personne ne peut fermer. Alléluia. La première chose qu'il faut noter ici, c'est que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Rien ne peut se cacher aux yeux de Dieu. Toutes nos œuvres sont exposées à Dieu. Nous pouvons les cacher aux hommes. Nous pouvons feinter d'être ce que nous ne sommes pas, mais devant Dieu, tout est dévoilé. Il dit, je connais tes œuvres. Oui, je les connais. Voici parce que tu as peu de puissance. Les faibles commencements. Les faibles commencements. Le Seigneur connaît nos faibles commencements et il ne nous incrimine pas. Au contraire, le Dieu que nous servons est le Dieu des faibles commencements et il est le seul qui puisse ouvrir grandes les portes pour que le succès, la bénédiction nous soit accordée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu as peu de puissance. Mais la chose la plus importante n'est pas la puissance petite que tu as. La chose la plus importante est que tu aies gardé la foi. Tu aies gardé la parole de Dieu. La chose la plus importante, c'est que tu n'aies pas renié mon nom. La chose la plus importante, c'est que tu sois resté fidèle. Malgré ta faiblesse, malgré le manque ou le peu de puissance, tu es resté là. Je crois que les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons besoin de connaître ce qui est la priorité chez Dieu, ce que Dieu voudrait savoir. Dieu n'a pas besoin forcément que nous soyons puissants, remplis de puissance, car il est là, lui, il est tout puissant. Ce que Dieu attend de l'église de Philadelphie, c'est qu'elle soit une église toujours obéissante, toujours gardant sa parole. Ah, beaucoup d'églises ont renié Jésus-Christ. Ah oui, beaucoup d'églises aujourd'hui célèbrent le pasteur, l'apôtre, le bishop, le archbishop. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont renié le nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu pour l'église de Philadelphie, qui n'a pas renié le nom de Jésus-Christ, qui sert la parole de Dieu dans son cœur pour ne pas pécher contre lui. The word of God is clear. The Bible says, I know your works. Hallelujah. I know your works. I know that you have that little power, but I know that you kept my word and didn't deny my name. For God, the most important thing is not to have the power, because he is a powerful God. Are you getting the point? The most important for God is for you to be obedient through his word. Okay? When God say go, just say I will go. Whether you are powerless, whether you are useless, just say I will go. By going, God is going to empower you. Are you getting the point? And you'll be more than victorious. The problem with many of us today is that we need power in our spiritual life. We need power in our secular life, but we deny God, the owner of this power. Are you getting the point? It can't work like that. If we need power, if we need to be powerful, conqueror, victorious, we must abide in Jesus Christ. And so that's why Jesus is thanking this church of Philadelphia. He's giving them praise, saying, you didn't deny my name. You kept my word. Though you have that little power, I do appreciate it. What is your condition right now? What are you looking for in your Christianity? Are you looking for power, or are you looking for obedience and faith towards God? You must ask yourself this question and give an answer. Lorsque nous continuons la lecture au verset 10, la Bible nous dit ceci, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. »
je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. The Bible is clear. Because you kept my command to endure, I also will keep you from the hour of testing, which is to come on the whole world, to test those who dwell on the earth. La foi, la persévérance, l'endurance, elles-là sont là les attributs que l'on reconnaît aux enfants de Dieu. Parce que le Seigneur nous a aimés d'un amour incommensurable, il a été capable de mourir sur la croix pour nous. Si nous aimons notre Dieu, nous sommes donc capables de supporter pour quelque temps les persécutions qui seront dirigées contre nous. Nous serons donc capables de supporter pour quelque temps les affres du malin contre nous, parce que sachant que bientôt nous aurons la victoire. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire « J'estime que les souffrances actuelles ne sont rien, en rien comparables à la gloire qui nous sera révélée. Si nous souffrons avec Jésus-Christ, nous régnerons avec Jésus-Christ. » Alléluia. L'église de Philadelphie, qui était faible et petite, elle a reçu les éloges du Seigneur, car elle est restée fidèle la parole de Dieu, à la parole de Dieu, et elle avait l'amour pour Dieu et pour les frères. Phila, Delpho, l'amour du frère ou l'amour pour le frère. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'était un principe cardinal dans l'église de Philadelphie. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Ça me déchire le cœur de voir des hommes en armes prier avant d'aller massacrer tout un peuple. Quel Dieu prions-nous? Ça me fend le cœur de voir ces politiciens se mettre debout et appeler à des cultes écuménistes et quelques minutes après aller ordonner des viols, des assassinats. Ça me fend le cœur de voir ces chrétiens qui chantent des louanges tous les jours, qui prient, qui jeûnent et qui pourtant vivent une vie remplie de frivolité. À la fin, de qui se moque-t-on? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dieu est le Dieu des faibles commencements. Dieu est le Dieu de ceux qui l'aiment. Dieu soutient et supporte ceux qui veulent avancer avec lui. L'église de Philadelphie était une toute petite église. Elle n'avait pas des ornements, elle n'avait pas des tapis rouges, elle n'avait pas des chaises et des fauteuils en cuir, non. Cette église était toute petite et toute modeste. Mais elle portait en elle les germes de la repentance. Elle portait en elle les germes du salut. Il n'est pas question d'avoir des duplex, des gratte-ciel pour plaire à Dieu. Le Seigneur a besoin que nous ayons un cœur disposé. Souvenez-vous, il disait, il ne s'attarde pas aux apparences. Le Seigneur regarde au cœur. Celui qui vaincra donc, nous dit Apocalypse chapitre 3, le verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Je crierai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Oui, mes frères, il y a une promesse, celle d'être une colonne dans la maison de Dieu. Alléluia.
Je n'ai pas ici besoin de vous expliquer l'importance d'une colonne dans une bâtisse. Je n'ai pas ici besoin de vous expliquer l'importance d'une colonne dans une maison construite. La colonne a une position d'honneur. La colonne a une position stratégique dans la maison. On ne l'enlève pas n'importe comment. On ne la déplace pas n'importe comment, car elle soutient la maison. Et le Seigneur déclare, pour vous qui allez vaincre, pour vous qui allez persévérer, je ferai de vous une colonne dans le temple de l'Éternel. Quel honneur! Quel honneur! Quelle grâce que d'être une colonne dans la maison de Dieu. Je prie aujourd'hui afin que le Seigneur t'établisse comme la colonne dans la maison de Dieu. Afin que par ton caractère, par ton amour pour Dieu, par ta persévérance, par ton sacrifice, plusieurs puissent entrer dans cet temple et adorer l'Éternel. Que cette parole retentisse dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. As-tu un ami dans la vie? Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné de pouvoir parler de l'église de Philadelphie et d'en tirer quelques leçons. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je voudrais être à l'exemple de l'église de Philadelphie et je prie le Seigneur pour que ce soit le cas pour toi aussi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons maintenant rentrer dans la prière et je vous prie d'envoyer vos sujets de prière, vous tous qui espérez en Dieu. Vous tous qui croyez que Dieu est capable de faire le miracle dans votre vie. Alors que vous allez le faire, nous allons écouter cette belle mélodie et nous allons revenir juste après pour rentrer dans ces moments d'intercession et de prière. À tout à l'heure. Oh toi qui gémis dans la tristesse, oh toi qui ne peux plus faire un pas, oh toi qui verse des larmes sans cesse, toi qui n'as connu que des coups bas, n'as-tu pas donc assez de vivre ainsi dans l'angoisse, les blessures, le passé, hein? Si Jésus s'est incarné en homme, c'est pour te dire que tu peux faire ce pas vers la lumière et tu seras comme lui qui a bravé la douleur, ne t'es pas, ne veux-tu pas aller vivre quelque part où l'angoisse, les blessures sont passées. Conduis par Jésus notre Dieu. Nous voguons vers le bord des cieux où la vie ne sera que bienheureuse. Nous élèverons des mélodies joyeuses, les trompettes sonneront la gloire, la victoire, l'amour de Jésus. Il nous revêtira de la splendeur de Dieu. Nous lui parlerons face à face, face à face, hey, face à face. Oh, oh. Ah, na, 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 na. Oh, oh.
la peur, l'instabilité. Ne veux-tu pas aller, aller vivre quelque part où l'angoisse, les blessures sont passées. Sont passées, conduit par Jésus notre Dieu. L'amour de Jésus en nous, il nous transformera, il nous revêtira de la splendeur du Dieu. Nous lui parlerons face à face, face à face, face à face. Conduit par Jésus notre Dieu, nous voguerons vers le bord. Il nous revêtira de la splendeur de Dieu. Nous lui parlerons face à face, face à face, face à face. Hanana. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci Seigneur, parce que dans ton amour, tu nous permets d'être comptés ce jour parmi les vivants. Seigneur Dieu, ton peuple vient à toi ce jour étant fatigué et chargé. Nous avons tellement à dire Seigneur, nos cœurs saignent parce que nous vivons des moments difficiles dans nos vies. Nous faisons face au deuil. Nous faisons face aux persécutions de toutes sortes. Nous faisons face aux maladies. Nous faisons face aux attaques mystiques, Seigneur. Souviens-toi de nous. Tourne ton regard favorable envers nous, Seigneur, et guéris ton peuple. Oui, tu l'as dit, Seigneur, pour toi tu menaceras celui qui dévore. Quand même une armée se lèverait contre nous, Seigneur, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Aujourd'hui, plus que jamais, Seigneur, nous avons besoin de ton assurance, nous avons besoin de ton soutien, Seigneur, nous avons besoin de ton intervention dans nos vies, Seigneur. Ô Père, viens et délivre ton peuple. Je voudrais te prier pour cette femme veuve. Je voudrais te prier pour elle qui est persécutée dans sa famille, pour elle qui est pointée du doigt comme étant une sorcière, comme étant quelqu'un de pas bien, Seigneur. Tu la connais. Tu connais son fort intérieur, Seigneur.
Si elle a commis quelques péchés, quelques impairs que ce soit, Seigneur, ton sang est suffisant pour la laver, Seigneur. Défends la veuve, Seigneur. Rends justice à cette veuve, Seigneur. Et bénis-la. Je voudrais prier pour cet orphelin qui n'a personne pour lui tenir la main. Je voudrais prier pour cet orphelin qui aurait voulu aller à l'école, mais qui ne peut payer sa pension, Seigneur. Je voudrais prier pour lui qui aurait aimé se vêtir, avoir un repas comme tous les autres enfants de son âge, mais à cause de sa condition d'orphelin, il est obligé d'errer dans les rues. Seigneur, qu'il te plaise de lui rendre visite, Seigneur, et de le sortir de cette situation. Seigneur, je te prie pour les frères et sœurs qui sont connectés à ce programme tous les jours, Seigneur. Tu connais notre soif de te connaître. Tu connais notre soif de te rencontrer, Seigneur, et de marcher avec toi. Révèle-toi à nous, Seigneur. Car si tu ne le fais, Seigneur, nous ne pourrons jamais te rencontrer. Tu dis dans ta parole, si nous te cherchons avec tout notre cœur, tu te laisseras trouver. Seigneur, laisse-toi trouver par nous et bénis-nous, Seigneur. Je voudrais te prier, Seigneur, pour tous ceux-là qui sont à la recherche de leur partenaire pour la vie, Seigneur. La peur de se tromper est là. La peur de faire un mauvais choix est là, Seigneur. Mais nous savons que si c'est toi qui fais le choix, il sera le meilleur pour nous. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous prions, afin que tu puisses faire le choix et permettre à ceux qui ont le désir d'entrer dans cette institution du mariage qu'ils le fassent avec sérénité, car tu es à la barre. Seigneur, je voudrais te prier pour tous ceux et celles qui vivent loin de leur terre natale, pour tous ceux qui vivent sur la terre étrangère, qui sont des réfugiés ailleurs, qui sont des expatriés, Seigneur. Ils ont le mal du pays. Et ils ont le mal de leur pays, Seigneur, qu'il te plaise de les consoler, de les ramener. Seigneur, je voudrais te prier pour ton Église de par le monde entier, ton Église qui est attaquée de toutes parts, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, qu'il te plaise de donner la sagesse, la force, l'intelligence à tous ceux qui ont la charge de conduire ton peuple, Seigneur. Afin que cette mission soit accomplie selon ce que tu veux. Bon Dieu céleste, merci de nous écouter. Merci de nous bénir. Nous avons notre frère Consti Désiré qui dit « Merci Seigneur de m'établir comme une colonne dans ta maison, dans ma grande famille, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur d'établir ton fils tel une colonne dans ton église. Merci Seigneur de l'établir tel une colonne dans sa famille. Merci Seigneur de l'établir tel une colonne dans son lieu de service. » afin qu'il soit une référence pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la colonne du monde. Nous sommes ceux-là qui sont tes ambassadeurs sur terre. Que cette promesse soit une réalité dans la vie de ton fils et de tous tes fils et filles dans le monde entier, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, la puissance est dans le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur Jésus aujourd'hui pour Ronil Pierre Charles, qui est né le 21 mars d'une année de grâce. Nous voulons lui souhaiter un joyeux anniversaire et prier pour que le Seigneur lui donne la force
de continuer à avancer sur cette terre. Que le Seigneur lui donne la grâce de trouver grâce et faveur devant les hommes. Que le Seigneur lui donne d'être dans le succès de jour comme de nuit. Merci Seigneur pour la vie de Ronil Pierre Charles. Donne-le, Seigneur, au-delà de ce qu'il peut attendre de toi. Que ce jour particulier pour lui soit le commencement d'une aventure nouvelle avec toi. Que sa main soit prospère, que sa parole soit remplie de sagesse, que son comportement impacte et influence positivement tous ceux qui sont autour de lui. En Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être vivants encore aujourd'hui. Je voudrais prier pour tous les malades, où qu'ils soient, quelle que soit leur maladie, parce que je crois que le Dieu que je sers est un Dieu qui est capable de guérir. S'il l'a créé, il peut récréer. Il peut restaurer. Alors, si tu es malade, rentre dans ce mouvement de prière. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci Seigneur, parce que dans ton amour, tu nous permets d'être encore vivants. Actuellement, Seigneur, je voudrais te prier pour tous ceux qui sont malades, et moi le premier. Seigneur, tu es le Dieu de la guérison. Tu as donné la vue à Bartimée. Seigneur, tu as guéri cette femme qui souffrait de la perte de sang. Seigneur, tu es le Dieu qui a délivré cet homme qui était paralysé, qui était couché sur un lit, sur un brancard. Seigneur, tu as ressuscité même ceux qui avaient été déclarés morts. Seigneur, tu es capable de guérir. Quelle que soit la maladie, Seigneur, là où la capacité humaine s'arrête, c'est là où la tienne commence, car tu es un Dieu tout-puissant. Je te prie, Seigneur, par les mérites de Jésus-Christ, visite tous ceux-là qui sont malades et répands ta guérison au nom de Jésus-Christ. Répands la guérison, répands la guérison au nom de Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit fasse ce travail. Que les chaînes soient brisées. Que les liens qui entraînent tes enfants dans la prison spirituelle soient brisés au nom de Jésus-Christ. Que les malédictions proférées sur la vie de tes enfants soient de nul effet au nom de Jésus-Christ. Que tout plan ourdi contre tes enfants soit échec au nom de Jésus-Christ. Permet que la grâce, la faveur, la prospérité, la victoire soient le partage de tes enfants ici et maintenant et pour toujours. Pour ta gloire, nous avons prié. Amen. Amen. Thank you.
Merci Seigneur pour ces moments que nous avons eus. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as donnée d'être là aujourd'hui. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, ce programme est quotidien. De lundi à vendredi, nous sommes là. Si c'est la première fois pour vous d'être avec nous, nous vous souhaitons la bienvenue. Et de manière particulière, je voudrais souhaiter la bienvenue à Abada Fallon, qui, je crois, c'est la première fois qu'elle se fasse signaler dans ce programme. Ma sœur Abada Fallon, sois la bienvenue, ainsi que toi et ton mari. Je voudrais souhaiter de manière spéciale une cordiale bienvenue à Jean Panel Baptiste, qui est là, je pense aussi, pour la première fois. Gardez cette habitude, soyez des nôtres tous les jours, de lundi à vendredi, pour ces moments de prière qui vous aideront à garder le contact avec votre Dieu, car telle en est la raison. Nous émettons donc tous les jours, de lundi à vendredi, entre 6h et 7h, heure d'Afrique centrale, et entre minuit et 1h, heure des États-Unis d'Amérique. Bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à émettre les cultes en direct. Continuez à prier pour le groupe Média Envolé Spirituel afin que ce projet, très bientôt, puisse être une réalité, ce qui permettra que l'Église puisse annoncer la parole de Dieu partout où besoin se fera ressentir. Je voudrais vous remercier du fond du cœur, vous tous qui êtes toujours présents, et vous demander de continuer à prier pour moi, afin que le Seigneur me donne la force, la santé nécessaire pour pouvoir être là, pour nourrir le peuple de Dieu. Je vous aime, mais le Seigneur, lui, il vous aime encore plus, et il permettra, dans sa grâce, que nous soyons ensemble demain. D'ici à là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Que la paix de notre Dieu, que l'amour de notre Seigneur vous soit accordé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soyez victorieux en ce jour pour sa gloire. Amen. Amen. As-tu un ami dans la vie? Croissance spirituelle.